Gwen Stefani peut se vanter d'une longévité musicale qui n'est pas donnée à tout le monde. Celle qui s'est fait connaître au début des années 90 avec le groupe No Doubt a connu une carrière pavée de succès. Impossible d'oublier ses tubes Bridge Girls, All About Girl, What You Waiting For ou encore son duo avec Akon sur le titre Sweet Escape. Le 13 juillet dernier, elle a même fait un retour fracassant sur le devant de la scène avec la sortie de son nouveau single Light My Fire, en collaboration avec Sean Paul et Chancea. Gwen Stefani n'est pas seulement présente dans les bacs mais aussi à la télévision puisqu'elle est régulièrement appelée en tant que juge dans le concours de chant de Voice, diffusé aux États-Unis, après avoir été appelée pour remplacer Shakira en 2014. Elle a participé pas moins de 4 fois au programme et s'apprête à rempiler pour une nouvelle saison. C'est dans ce contexte qu'elle était invitée ce samedi 10 septembre sur le plateau de Late Night with Seth Meyers. Une apparition qui est loin d'être passée inaperçue. La raison? La chanteuse de 52 ans était méconnaissable. Pourtant venue parler de son rôle en tant que coach de The Voice, c'est surtout pour son apparence physique que Gwen Stefani a retenu l'attention. Tout au long de la diffusion, les internautes se sont dit horrifiés par son visage, qu'ils ont à peine reconnu. C'est simple, l'épouse de Blake Shelton et maman de 3 enfants n'a pas une seule ride. Et cela ne semble pas être le fruit d'une bonne génétique. Il faut arrêter avec la chirurgie, attendez mais qui est cette personne? C'est Gwen? On ne la reconnaît pas, je suis désolée de le dire mais je l'ai à peine reconnue. Gwen, il faut que tu arrêtes, se sont insurgés les internautes dans les commentaires. Sidérée par la transformation de la chanteuse. Une salve de critiques dont se serait bien passée la superstar.